Salut les petits potes, c'est Mika, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2019. Et aujourd'hui les amis, eh bien on se retrouve pas cette fois-ci en police, ni en pompier, ni très clairement en gendarmerie pour le coup. On se retrouve du coup plutôt les amis, eh bien en EGA, donc société d'autoroute hein, du coup. Mais aujourd'hui les amis, on n'est pas sur l'autoroute, on est dans la partie... On n'est pas sur l'autoroute, on va dire, on est plutôt sur une petite nationale, voilà, hein, vraiment, c'est plutôt ce qui relie l'autoroute à la ville. Et aujourd'hui, du coup, les amis, petit chantier en plusieurs étapes. Donc, au loin, vous voyez déjà deux véhicules, là, on est avec le Kangoo, du coup. Et aujourd'hui, du coup, on va faire, on va commencer à élaguer les boulots qui sont de côté. C'est devenu un peu un danger pour la route. Et par la suite, on va tondre, du coup, le terre-plein et on va laisser... On va tourner à peu près sur 1 mètre. Et après, du coup, on va laisser le reste pour la biodiversité. Voilà, on fait de la tonte éco-responsable. Ça, voilà, je vous en ai déjà parlé ultérieurement. Donc, du coup, voilà. À peu près ça, il y aura à peu près ça dans cet épisode-là. Il y aura peut-être autre chose. Je verrai dans le même épisode. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, bien évidemment. Merci aux 952 ou 51. Abonnez, ça fait énormément plaisir. Continuez comme ça, les amis. Le tirage au sort de Farming Simulator 2019 arrive très vite. Je vous mets la petite vidéo, les amis. N'oubliez pas d'aller checker en bas à droite de votre écran. Et bien évidemment, pour rejoindre le Discord et voir tous les projets qui vont arriver, parce qu'il y en a pas mal qui vont venir, eh bien, lisez bien la description, cliquez bien sur le lien Discord. Bien évidemment, vous pouvez venir avec nous dans les chats vocaux, partager... Bien évidemment, vos réalisations en photo, discutez avec nous par message et voir ce que les gens font voilà, sur Farming, sur Roblox à la rigueur, pourquoi pas, sur ETS2. Donc voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas, faites comme chez vous, cliquez sur le lien et on sera tout bon. Allez les petits potes, bonne vidéo à vous. Allez hop, on est parti, tranquillou, je montre à peu près les véhicules qu'on a. Donc on a le petit Kangoo qui est ici du coup. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va se prendre toute la petite photo. Voilà, petite photo qui va bien. Petit véhicule autoroute ici. Le petit Master Ben ici. Le camion, du coup, de voirie. Le tout gros, le gros bébé, le petit man. Et de l'autre côté, on a juste le petit véhicule de patrouille. Donc, en fait, il va y avoir une circulation quasiment alternée. Parce qu'on a complètement bloqué la voie. J'ai enlevé la circulation, les amis. Sinon, vous comprenez que j'aurais pas pu faire... Malheureusement, cette vidéo. Ça aurait été quasiment mission impossible. Donc du coup, je vais juste faire un petit truc. Sinon, on va pas pouvoir bricoler. Petite sauvegarde. Alors, je sais pas. Alors, c'est ça. Avant. Voilà. Je peux pas. Ok. J'ai pas juste pas acheté les terrains. Ah voilà. C'est un peu mieux quand même. Hop. Donc là voilà, couper la base. Donc encore une fois, un arbre planté, donc on coupe des arbres. Et le but après c'est de replanter un nombre supérieur à ce qu'on a coupé, justement, pour bien évidemment. Pour la biodiversité, voilà, c'est tout à fait normal. Hop, je vais rapprocher le camion. Bon les amis, ça y est, c'est bientôt Noël. On y est bientôt. Allez, bientôt. Qu'est-ce qu'elle est vite passée cette année? On l'aura pas vu, hein. Non, on l'aura pas vu passer. Je ne peux pas dire. Moi, de Noël, je l'aurais pas vu passer. Vite passé. Bon alors ça, le boulot, hein, très beau bois de chauffage. Hein.
sèche assez vite quand même. Alors quand il est pourri, c'est du. Alors quand il est pourri, c'est du papier, du papier en carton. Voilà, le boulot, ça reste quand même une très très belle, très très belle, un très beau bois, pardon plutôt. Excusez-moi. Oh, du coup, j'ai déjà réfléchi un peu au programme de l'année prochaine, donc il y a plein de petites choses qui vont arriver. On va essayer de réaliser tout ça. Nouveau contenu aussi qui va arriver, hein. Bien évidemment. Vous l'avez bien compris. Hop là. Ça boot aussi, hein. Donc voilà, il y aura des mini petites séries de présentations de véhicules, de modes. Logiquement, si ça se fait bien avec un ami. Bon, et, je vous en dis pas plus de toute façon. Alors, ce que j'arrive pas à le ramasser, je sais pas pourquoi. Un peu de mal quand même. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose? Donc, il y a le mode musc, hein, c'est pour ça qu'on peut soulever les troncs. Hein. Sinon, vous imaginez bien que. Un poil un peu compliqué. Hop. Juste à chaque fois les petites branchettes qui dépassent. Il est quand même gros celui-là. En deux. Ah, je croyais qu'il voulait pas. Hop là. Et deux. Huch. On va couper celui-ci. Ceux-là, on va les laisser. Ils sont pas vraiment près de la route. Il n'y en a pas quand même beaucoup à couper, mais bon. Faut mieux sécuriser tout de suite. On va avancer la voiture. Oh, j'ai qui est con. Adieu. Le nul. Le nul nul. Pas que les gens ils croient qu'ils peuvent venir. C'est comme parfois quand les gens disent vous croivez, donc pas qu'ils croivaient qu'ils pouvaient venir. Ah mais je les quitte tous en fait là. Là vous croivez quoi, hein. On peut pas arriver. Hop là. Le code de la désespoir. Hop, voilà, récupère après. Ça aurait été beau qu'ils se mettent droit. Elle récupère après. Allez, hop là. Joe le cône. C'est la dernière fois sur Instagram, j'ai vu quelqu'un qui suivait l'histoire d'un cône en fait. C'est un peu pittoresque. Ouais. Hop là. Alors là, je sais pas si on peut me découper. Voilà, ici. Non, j'ai peut-être pas forcément tout coupé. Par contre, cette tronçonneuse, elle est super. Hein. Ouais, j'ai vu mise à jour farming. Je vous avoue, je suis pas vraiment allé regarder. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de soucis depuis la mise à jour. Donc bon, on dirait une botte, tiens. Donc bon, je vous dis, peut-être pas la faire tout de suite, hein, parce que si ça bug. Bon, j'avoue, pour le lancement, ils ont peut-être pas forcément
Enfin, je trouve qu'ils ont pas, ils ont pas géré de ouf le lancement de leur farming quand même. Les gens ont l'air quand même pas mal déçus, mais ils s'attendaient peut-être à mieux. C'est pour ça qu'il faut jamais prendre les éditions collector. À la rigueur, sur GTA, voilà, quand c'est des gros bateaux de maison de jeux, genre GTA, il n'y a aucun souci, les yeux fermés. GTA 5, voilà, moi je l'avais pris en édition. C'est-à-dire, j'ai pas regretté. C'est-à-dire, tu démarres le jeu, tu sais que le jeu va être. Voilà, il va être magnifique, quoi. C'est sûr, farming, je le prendrai. J'ai jamais eu un seul farming en golette, toi. Je suis pas fou pour lâcher autant d'argent à Giant. Hein. Je l'aime beaucoup, hein. Mais. Évidemment. Faut être réaliste, hein. Les gens en ont un contrôle, mais... ah, du coup moi ça me ferait pas kiffer d'acheter un jeu et de me dire qu'au final le jeu ben... quand on regarde quand même quand on regarde le fond du jeu, voilà, ils ont mis un season mode, ils ont mis, voilà, ils ont mis plein de choses, mais je trouve qu'ils sont pas ils ont pas été soigneux, quoi. Déjà ils l'ont mis un dimanche. Déjà ça, ça a crisé tout le monde, ça. Moi je vous avoue, je l'attendais pas, voilà. J'attendais pas farming comme un jeu, voilà. Je savais qu'il y allait y avoir des soucis de toute façon, donc pour ça je ne suis pas. J'étais pas dans une euphorie. Là on est bon. Du coup les amis, on a été appelé. On va y aller. On a été appelé pour un accident. Eh, j'ai pas fait tomber de cône. Non. Donc on a ce chantier, on va vite fait juste sécuriser l'accident, on viendra après ici. L'accident était quasiment sécurisé, mais ils veulent juste une voiture en plus. Bon, ce que je comprends. Hein. Ah, oula, oui, il y a du monde. Il y a du people. On va se mettre là. Je bougerai après le véhicule. Comment faire? On va lever le BMW. Ah, mon petit chapeau de Noël qui fait rigoler tout le monde, je le sais. En même temps, cette saison. Ah oui, Decker. Decker, ça a bien cartonné, quoi. Ouais, salut les gars, salut. Bon, du coup, petit topo sur un accident. Ouais. Un monsieur qui a grillé la priorité, puis l'autre qui suivait derrière. Ouais. D'accord, ah oui, d'accord, quand même. Du coup, balisage, vous avez déjà commencé? Vous avez fermé la voie là-bas ou pas? Ouais, je regardais parce que... Ouais, c'est bon.